Et salut les abonnés, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc comme vous voyez, nous sommes en voiture, le soleil est même pas encore levé, ce feignant. Et on part avec eux, normalement, si tout se passe bien, sur une nouvelle cache, et si tout se passe bien, sur un FTF. Voilà. Donc le temps n'est pas avec nous, hein, il pleut. Donc ça, c'est la réponse principale à pourquoi je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment en extérieur. Il pleut maintenant depuis une bonne semaine. Deux semaines. Je suis rentré d'Evreux, il pleut. Ouais, de Normandie, il a ramené la pluie à la maison. Merci. C'est pas moi qui le dis. Hein. Merci. Ça c'est greux, moi je n'ose pas. Maintenant que je connais les Normands, je n'ose pas. Bon allez, on se retrouve au PZ. Alors, petit aparté pour ma maman qui, je sais, regarde la chaîne. Si aujourd'hui je ne suis pas couvert alors qu'il pleut, c'est pas parce que je veux pas ou je veux t'énerver, c'est simplement parce que bah, j'ai oublié mon menton en partant. Angélique y a pensé aussi, hein, mais moi non, pas au mien. Voilà, ceci étant dit, nous allons chercher la cache. Non mais c'est pour t'énerver quand même. Alors, on voit quelque chose de suspect. Hop. Alors, le sous-bois sous la pluie, c'est fort agréable. Est-ce que... Oui. Ouh, une bouette. C'est une grosse bouette. Alors. Okay. Ah ouais, là c'est. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, est-ce qu'il y a un système? Alors qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose? Étudions. Il y avait des chiffres dans l'indice. Ouais, alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais nous mettre, je vais accrocher la caméra quelque part, et puis on va essayer de trouver ça. Donc après observation, on a trouvé en dessous une petite notice, je mettrai peut-être la photo ici, mais voilà, dans tous les cas, ça nous dit qu'il faut qu'on dégage les plaques sur les côtés pour trouver, de ce que j'ai compris, des billes, qui enlèvent une bille, qui poussent une bille, et à force de pousser la bille avec un chiffre précis, on obtient la cache. J'ai pas du tout compris ça. Mais moi non plus, mais on va y arriver. Alors, ah oui, alors, ça se lève. Ah. Ok, j'ai les billes. Alors moi j'ai des trous et j'ai des chiffres. J'ai le chiffre 1. Ah voilà, c'était ça les amis. Alors t'as un chiffre 1. J'ai 1, 2, 3. 2, 3, ok. Alors attends, il y avait des indices, effectivement. Ouais. Donc on a des chiffres. Avec trois trous de chaque côté. Moi j'ai 4, 5, 6. Et toi tu as 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et donc dans l'indice, on a 1 égale 39, 2 égale 24 et 3 égale 17. Et c'est là que le doute s'installe. C'est trop tôt le matin. Alors, la 1, 39. La 2, 24. Hop, attends. Ça m'a fait tomber deux là. Alors, je vais remêler au fur et à mesure, moi. Donc 2. Et là, je t'ai dit combien? Combien de lignes? 1 égale 29. 39, vas-y. Alors, encore. Mais nous faire mesure. One eternity later. En fait, il y a trois circuits de billes. Donc ça se trouve, la cache est dans l'un des trois. Si on pense qu'on avoir trouvé, il faut compter le nombre de billes qu'on fait ressortir en boucle. Donc par exemple sur le circuit 1, c'est 39. Je mettrai certainement un bip sur ce numéro. La 2, c'est un autre chiffre. Et le circuit 3, c'est un autre chiffre. On va essayer. Donc là, ce serait 24. Donc on compte bien. Allez. Mais je pense que c'est compté. Est-ce que ça voilà, le circuit n'est pas le même. Donc, moi, non. 2. 4. 6. Pendant ce temps, à Veracruz. Algo más, señora? Es todo, gracias. ¿Cuánto le debo?
13,95. Ah-ha. Attends, parce que ça se trouve, on danse, mais c'est un leurre. Non, c'est ça. Ça ressemble à un notebook. Et là, je vous ai eu. Oui, ouais, j'ai un stylo, bien sûr. C'est le logbook. Yeah. Hein? On est FTF. Oui. Allez, petit clin d'œil à Joshua. Ouais. Ouais. Alors, donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on va noter co-FTF en parenthèse. Non, ça c'est et sur en le gras. En gras, voilà. En gras. Parce que ton stylo il fait le gras. Mon stylo il fait le gras. Donc voilà, petite cage plutôt sympathique, même bien sympathique. Une petite technique, ça fait plaisir parce que dans la région on a beaucoup de petits pots posés derrière des troncs, au pied derrière. Et ou dans le lierre. Ça c'est ma spécialité, ça c'est. Mais voilà, ça change en fait des parcours et des boucles. Et voilà, ça met une petite alternance, on va dire. Ça nous permet de changer. Ouais, c'est un poseur qui fait principalement des techniques. Ouais, il fait que ça en fait. Et ça c'est plutôt sympa. On a continue. Ouais, continue. Je sais que tu te reconnaîtras. Mais non, celle-là vraiment sympa. Dans la région, je crois que c'est la seule que j'ai vue comme ça. Ouais. Nous on a pour projet d'en faire une avec des billes mais qui sera pas dans le même système, donc ça tombe bien, on se complétera en fait. C'est ça. Voilà, donc on vous dit à bientôt, on va rentrer parce qu'en fait ça se voit, heureusement qu'il y a les arbres, il pleut de plus en plus. On va rentrer pour notre petit déjeuner et puis je vous dis à très vite les jeux abonnés, ciao ciao, ciao, ciao. Si toi aussi tu désires ne pas louper de cage, de sortie, etc., abonne-toi en cliquant sur ces deux petites billes ici, là, voilà. Ici, ouais, vas-y. Vas-y, clique. Allez. Je peux le faire. Allez, tu clique. Voilà. Bah, tu vois, je t'avais dit que t'allais t'enrhumer. Non, mais.